Et salut à tous, et ben ça faisait bien longtemps que je n'avais pas fait quelques petites vidéos sur mon petit matos. Donc aujourd'hui, Harley Benton, la petite dernière que je me suis pris, c'est la 7e, quelque chose comme ça. Donc celle-ci, c'est la HSH Fusion Pro 2 avec le superbe manche en Roasted Maple, comme on dit en bon français, donc en érable torréfié. Très beau, très confortable, effectivement. Super sympa. Belle finition au global. Bon, j'ai encore un petit problème de buzz là quand même, qu'il va falloir que je règle sur le mi et le la. Très léger. Bon, je pense un peu de courbure de manche, que dalle à faire. Donc la finition très belle, effectivement. Il y a eu beaucoup d'essais déjà hein, sur ces grattes. Donc c'est déjà bien connu. Donc la petite particularité qui fait que celle-ci c'est la mienne, c'est le kit micro, parce que j'adore bricoler ça, ça m'amuse. C'est bien l'intérêt d'acheter des Harley Benton pas trop cher avec une lutherie correcte, c'est qu'on peut s'amuser avec l'électronique. Donc j'ai refait toute l'électronique avec ici des tout en Seymour Duncan. J'ai mis des mini humbuckers SM3, SM2, je crois, si je me souviens bien. Donc le bridge à Nico 5 et côté neck céramique. Au milieu le micro simple qui envoie pas mal, un SSL7. Donc vous pouvez voir les specs sur le site de Seymour. Donc effectivement, bah, oui, vu les micros, ça rend plutôt bien. Il n'y a plus qu'à savoir jouer, donc c'est top. Les potards, pareil comme d'hab. Du CTS avec un treble bleed complet sur le neck et puis juste rajouter un demi treble bleed côté bridge parce que sinon ça me faisait un truc un peu trop aigu, donc j'ai mis qu'une résistance en parallèle et j'ai pas rajouté de kappa, donc ça me permet d'avoir la personnalité du micro là, assez brillant et assez hargneux qui ressort bien. Donc au final de très belles textures sur la petite intro là, le petit riff tout simplet, j'étais sur le micro milieu. Globalement la gratte est assez brillante, plus que celle que j'avais avant, enfin que mes autres Harley Benton, hein, c'est la 7e celle-là, et ben ça change, ben, c'est très bien, donc effectivement très sympa. Katana avec mon petit câble fait maison hein, qu'on a depuis tout à l'heure là avec les deux micros en prise de son. Je mets tout ça là-bas dessous en description. C'est des micros super luxe que j'utilise déjà dans mes vidéos précédentes. Donc petit crunch, les 5 positions et on va voir un petit peu ce que ça donne. Thank you.
pour finir, je vais faire tourner un petit backing track que j'ai pris sur l'excellent site de MyGuitar. Merci Cyril. Excellent, toutes ces leçons et tout. Et d'ailleurs, au passage, j'utilise beaucoup le site de MyGuitar ben, pour progresser à mon petit rythme. C'est le cas de le dire, pour justement travailler de la rythmique où j'ai piqué les quelques licks du lundi. Qu'il distille au fil des semaines, donc très très bon d'ailleurs pour s'entraîner en rythmique. Je travaille beaucoup avec ça en ce moment. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Micro milieu, micro neck, avec bah, un peu de fuzz, un peu d'overdrive et on verra un peu à quoi ça ressemble. De cette très belle guitare, donc très content, belle finition hein, au global. J'ai encore un petit peu de bosse de fret quand même, donc peut-être un peu de courbure de manche à retravailler, mais léger. Bah, sinon, un kit un peu de micro particulier pour changer. Enfin, faut dire, j'avais déjà pas mal de humbuckers standard, de micro simple, donc là ça change un peu. N'hésitez pas à me laisser vos petits avis là-dessous avec plaisir. Allez, à bientôt, à la prochaine.